Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des massicots, des différents massicots qui existent. Donc les massicots, pour rappel, c'est pour couper du papier, du calque, du carton. Et donc c'est censé faciliter le découpage des papiers en scrapbooking. Premier style de massicot, donc c'est le massicot avec une lame coulissante dans une rainure. Donc ses points forts. Donc en général, on peut couper son papier sans gaspiller, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une découpe. Vous allez pouvoir faire une découpe en vous arrêtant, par exemple, à la moitié de votre papier ou en tout cas à la mesure que vous avez prise. Et pour voir du coup, ne découpez qu'un petit carré ou rectangle dans vos papiers et comme ça, ne pas gaspiller. Donc ça, c'est un de ses gros avantages. Deuxième avantage, c'est que nous allons pouvoir mesurer directement sur le massicot en coupant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller marquer des petits traits, par exemple ici à 10 cm. Je place directement mon papier à 10 cm. Et je coupe et j'ai bien une longueur de 10 cm. Donc vous pouvez utiliser aussi ce style de massicot pour réaliser vos plis. Donc pour cela, on pousse la lame et on va utiliser la rainure et un plioir pour tracer son pli. Il existe également des massicots qui ont déjà une lame qui sert à faire des plis. Et il existe également des massicots de ce type avec des rainures intégrées ici. Donc, je vous en ai parlé dans les 10 idées cadeaux scrap pour Noël. Je vous mettrai le lien également dans le petit là-haut. Ce style de massicot est également facile à ranger puisqu'il est relativement fin et peut se glisser dans une étagère. Il y a également des défauts à ce style de massicot. Donc c'est que parfois ce style de massicot ne coupe pas droit. C'est-à-dire si la rainure à l'intérieur ici n'est pas suffisamment profonde pour accueillir la lame et que la petite règle ici n'est pas suffisamment rigide quand on va passer la lame, en fait, la lame risque de bouger et de ne pas couper droit. Donc ça, c'est un défaut de certains de ces massicots-là. Donc moi, j'ai un ancien de chez Fiskars et franchement, j'ai jamais eu de problème avec. Mais je sais que les générations d'après, enfin certaines générations d'après, ont eu des soucis. Et le gros inconvénient de ce style de massicot, c'est la durée de vie des lames, puisque ces lames-là ont une durée de vie qui n'est pas très très longue. Et du coup, très rapidement, on se retrouve avec une lame émoussée qui fait des petites bouloches le long de la découpe. Et c'est franchement pas terrible. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si jamais vous voulez aller la voir, je vous mets dans le petit. Je crois que ça c'est plutôt par là-haut. Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment aiguiser vos lames. Deuxième style de massicot, ce sont les massicots guillotine. Le massicot guillotine, donc contrairement au massicot avec la lame coulissante, va lui couper sur toute la longueur de votre papier. Donc là, du coup, on va pas pouvoir faire d'économie de papier, on va dire, ou en tout cas beaucoup moins. Donc c'est-à-dire qu'on place son papier bien contre le bord. On tient la petite réglette pour que le papier ne bouge pas. On abaisse et c'est coupé. Avec ce style de massicot, donc les coupes sont toujours droites, si on a bien calé son papier, et nettes. Donc là, on n'a pas de souci de lame qui s'émousse et qu'il faut changer. C'est vrai que de ce côté-là, on fait des économies. Moi, je sais que je l'aime beaucoup celui-là. Par contre, comme vous voyez,
Il est gradué en inch, je pense, ou en pouces, ce qui fait que je dois mesurer mon papier avant de couper. Et en règle générale, c'est quand même mieux d'avoir fait justement un petit trait pour savoir où on va couper. Et on place bien le petit trait au niveau de la lame. Alors c'est un massicot qui prend également plus de place, puisque vous voyez qu'on a quand même une sacrée épaisseur, forcément, pour que la lame puisse s'abaisser. Donc moi j'ai pris celui de Tonic Studio et du coup on est sur une. Doit faire à peu près 20 cm. J'ai pas 30 cm. Il existe en 30 cm, mais du coup il prend énormément de place. C'est pour ça que moi j'utilise bah, pour tout ce qui est papier plus petit que 30 cm, on va dire. Donc pour de la carterie, c'est vrai que c'est parfait. Je trouve que c'est assez complémentaire avec l'autre massicot, c'est pour ça que j'ai les deux. Mais à vous de voir qu'est-ce qui vous intéresse le plus, si c'est plutôt d'avoir des découpes nettes et de faire des économies de lame, ou si c'est de pouvoir faire des économies de papier et de temps pour mesurer. Il existe une troisième sorte de massicot. C'est le massicot à lame rotative. Donc c'est celui que j'ai ici. Alors il vient de chez Lidl, il est très gros, il prend énormément de place. Donc il a plusieurs avantages. Alors pour mesurer, c'est pas le top. Donc on est plutôt comme sur la guillotine, on va dire. Pour s'arrêter en cours de coupe, on va dire, c'est possible, mais c'est compliqué, puisqu'on la lame est quand même relativement longue, on va dire, donc ça ne fera pas une coupe nette, un arrêt net au milieu de la page, par exemple. Par contre, en avantage, c'est qu'on a plusieurs styles de lame. On peut faire des petits tirets, on peut faire des vagues et une coupe continue. Donc ça, je trouve que c'est assez sympa. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les lames, a priori, ne s'usent pas. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai et je n'ai toujours pas de problème. Ça ne s'est pas émoussé et mes découpes sont toujours aussi nettes. Mais c'est vrai que celui-là prend beaucoup de place. Il peut être un bon compromis entre les deux, pourquoi pas. Je l'utilise moi principalement pour couper tout ce qui est cartonnette pour faire les couvertures d'albums. Parce que justement, la lame est quand même très résistante, coupe très bien et du coup, je n'abîme pas. Ce massicot-là a coupé de la cartonnette. D'ailleurs, je ne coupe que du papier dans ce massicot-là. Je ne coupe pas de vellum. J'évite de couper aussi tout ce qui est feuilles plastiques et tout ça parce que la lame s'émousse très très vite. Il vous reste une dernière possibilité si jamais vous ne voulez pas investir dans un massicot ou que vous trouvez ça trop compliqué ou autre, c'est de passer à la règle en métal avec le bon vieux cutter. Moi perso, j'ai un petit peu de mal parce que dès que je veux couper le long de ma règle, je sais pas comment je fais mon compte. Je dois pas avoir assez de force pour tenir sur ma règle et du coup ça bouge et le trait, enfin la coupe n'est pas droite. Donc je suis pas très douée avec le cutter. Je déconseille les ciseaux. Puisque c'est très difficile de couper sur une grande longueur, voire une petite longueur droit avec des ciseaux. Ou alors il faut vraiment tracer un trait et s'y tenir. Moi j'y arrive pas. Alors, je suis peut-être pas très douée, mais j'avoue que le massicot me sauve la vie à chaque fois en scrap quand je veux vraiment des découpes droites. Bon et eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les différents types de massicots qu'il existe, que vous. Cela vous aidera également à choisir si jamais vous avez envie d'investir dans un massicot. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!